Et salut à toutes et à tous, ici Petit Seb, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite la bienvenue, le bon retour sur Killing Floor 2, toujours en compagnie de la magnifique Laetitia. Salut Laetitia. Salut! Et aujourd'hui, on a notre petit Lanou avec nous aussi. Yep, toujours présent. Voilà, donc toujours, on est toujours sur les vidéos pour les collectibles. J'en ai déjà un, juste derrière nous, à côté de la pierre. Juste derrière nous, à côté de la pierre. Là. C'est rouge. Derrière moi. Attends, mais attends. Letty, elle est où? Elle est là. Ah oui, là. D'accord, c'est des crânes luminescents. Donc vous l'aurez compris, en fait on est sur une nouvelle carte pour Halloween 2018. Et voilà. On n'en verrait pas d'autres des Voilà. crânes qui sont à l'extérieur. Voilà. Dégage toi. En train de chercher mes crânes. Ah là là là. J'explose sa tête à lui. Ah ouais, donc comme arme de base avec le survivant, j'ai eu l'appel. Génial. Bah oui. Je sais que c'est complètement aléatoire, je sais que j'aurais pu avoir mieux. Je pense que j'aurais pu avoir mieux. T'aurais pu avoir mieux en tant que survivant, ouais. Alors je sais pas du tout si la map est évolutive ou non, donc on est parti sur de la vague courte pour le moment, mais je sais pas du tout comment ça va se finir. En pleine découverte. On découvre totalement la map en même temps que vous. J'en ai trouvé un autre là. Bien joué. Alors. En tout cas, les monstres d'Halloween ont l'air super classe. On a des loups-garous, on a des. J'ai l'impression que c'est Ouais. des hommes-poissons. Ça change de map, nous, ou pas du tout? Vous avez la marchande déjà sur la. Ouais, la marchande elle est Marchande. là. Ouais, donc ça changera pas de map. Et voilà, j'ai plus de sous. Mais je suis pas encore allé à la marchande. J'en profite, je cherche les. Oui, bah, fais donc. Ah, Hop. je vais quand même venir jusqu'à la marchande, je sais pas où elle est. Je regarde en même temps s'il n'y en aurait pas d'autres. Ça ressemble un peu au manoir Voltaire. Hein. Un petit peu, ouais. Oh, ça doit être un piège. Il y a un levier là. Ah ouais, il y a une cage. Ah ouais, pas con. C'est comme les gros Oui, on boutons peut rouges, faut l'activer. pas appuyer dessus. Bah là, on peut. Ah, j'ai rien eu le temps d'acheter. J'ai été Oh distrait par le piège. C'est pas grave, j'ai l'appel. merde. Tu vas faire tellement de choses avec cette pelle. J'ai hâte de voir. On ne veut pas savoir. Mais Oh! oh, Oh! Oh le crawler il est Totu. trop magnifique! Oh dirait c'est une plante en pot le truc. Alors la sirène. La sirène on croirait qu'elle est venue de la famille Adams, c'est cool. Alors, le gamonolum c'est une momie. Tiens, je te remets un coup juste pour Ah, vous avez plaisir. vu les araignées, comment elles sont? Ouais, c'est des plantes, c'est génial. Oh, les momies. Ah non, il y a encore des invisibles. Ils auraient pu les enlever, hein. Ouais, mais les invisibles, elles sont modifiées quand même, normalement. Ouais, elles sont modifiées, mais elles sont toujours invisibles. Mon gros problème. J'ai pas Merde. le temps, j'ai pas le temps de chercher les crânes avec tous les monstres qu'il y a. Ils sont tous sur moi. Je vais crever, ça craint. Oh merde. Oh non, je suis morte, ça craint. Oh, la honte. Bah voilà. Mais moi j'arrive pas à m'en sortir, j'ai une tas de monstres aussi. Ah mais regarde combien on en avait. Et là il y a 3 secondes, il y en avait encore 35 là. Y a une invisible devant. En même temps, j'en ai un masse sur moi aussi. Hein. On dirait que les invisibles sont devenus des femmes momies en J'adore le fait. look sur le sirène, c'est génial. T'as vu ça? Je te dis, on les dirait sortis de la famille Adams. Trop. On dirait. Je sais plus comment elle s'appelle l'autre là. Elle a les cheveux rouges, elle est relookée comme ça.
Bon, alors. Revenons-en au sang et à la violence. Ouh. Ça doit être le fusil à pompe de Letty. Ouais. Là, il y a un piège. Je suis archidec d'être morte. J'ai compris. Ok, putain, le piège trop stylé. Ah, merci. Ah, moi, je vais rester au katana jusqu'à la fin. Ça me suffit bien. En mode normal. Allez. Ouais, mais on est trois quand même, fais gaffe. Oui, mais on est en normal, avec un fou furieux 25. moi, je vais prendre... Oh, il y a un fusil à grenade. HMTech 501, c'est une des nouvelles armes. Tiens, bah, je vais la tester. Parfait. Ça, et hop, un peu d'armure. 10 secondes, les porcelets, 10 secondes. Bon. Putain, regarde, c'est des grenades de soin en fait que tu balances. Ah, stylé. C'est bon ça. Bon, ça m'aide pas à trouver les. Bah, j'en ai pas trouvé encore. Hein. J'ai pas trouvé d'autres non plus. Hein. Avant que les monstres me tombent dessus, j'ai un peu fouillé. Et moi j'en ai vu derrière les décors alors. Là-bas, j'en ai un. Tu derrière. Vois, ils sont derrière ouais. Les grilles comme ça, les trucs comme ça derrière les décors. Caché, normal. Ouais. Mais moi c'est ça que j'adore, c'est les trophées, c'est pas le truc que tu vas trouver facile quoi non plus. Invisible. Hein ouais, tu vois, et c'est ça, les lance-roquettes c'est les armures et elles tirent par leur bide. Ça va, ce flingue de médecin il est génial. J'adore. Voilà. Oh, attention, barbac. Ah non, je suis coincé. Moi je reste sur place pour tuer le barbac en balançant les grenades de sang. Allez, tu vas bien finir par mourir en force. Voilà, il est mort. Wouah, t'as balancé le truc, j'étais dedans. Ah pardon, oula, j'avais pas vu. La tronçonneuse elle est stylée avec son bras là. Ouais. Faudrait peut-être que je me régénère, il me reste 10 PV. Voilà. Trop tard. Non, ma sublime arme. Va te calmer toi. Je te l'ai récupéré. Ok, nice. Nice. Tu parles anglais, ça y est, t'es bilingue? Non. Je me suis dit aussi. Hey, on est déjà à la troisième vague sur 4 et on a trouvé 3 crânes. On est un peu ridicule. Il en faut 10, hein, je crois, à peu près. Comment on fait déjà pour jeter une arme? Normalement, c'est le retour arrière au-dessus de la touche entrée. Mmh. Là, tu devrais demander à Pierrot parce qu'il a dû la. C'est bon. Tu l'as voilà. Récupéré. Ouais. Non, ça c'était ton katana. Ah merde. Ah non, attends, je me suis peut-être trompé. Attends. Ça c'est ton arme. C'est bon. Toi. Ça va ah. C'est bon. Voilà, je crois qu'on est redevenu bon là. Il me reste combien de places? 15, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre qui pourrait être sympa? Est-ce que je peux prendre la grosse batteuse? Le stunner, non. Bon, tu veux prendre ça. Ils sont où les crânes? Il y en a qui s'amusent à me filer plein de thunes. Hein. C'est pas moi.
Ah, elle est pas améliorable celle-ci? Bon. On peut aller vers la zone, essayer de trouver les crânes. Ouais, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on foute les pièces une par une, parce que là, on va d'un côté à l'autre, et... En fait, au final, on... C'est pas faux. Merde, je me suis fait mal. Faut péter les ballons. Ça fait sortir des chauves-souris, c'est drôle. Ou des fantômes. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, crève l'invisible. Tu vois pas que je suis en train de péter des ballons, là? Non, elle a pas vu. Oh, les mondes. Bon, allez. C'est toujours aussi stressant, hein, ces cris, là. Non, je sais pas qui c'est qui a laissé son téléphone sonner. Voilà. C'est le mien. Ah, ça me fait penser que j'ai pas mis le mien non plus en silencieux. Ah, c'est fait. Ça, c'est pas le mien qui sonnera, ça c'est sûr. C'est bon. Pour une fois. Pour une fois. Bon là, on va essayer de laisser un gros, si y en a un qui voit un gros, je le tue pas. Ça serait bien. J'en ai déjà tué un, je dis ça après d'en avoir tué un, mais... Ouais, j'en ai tué un aussi, il y avait une tronçonneuse. Non mais je parle pas d'une tronçonneuse, je parle des vomitos là. Ah. Ok. On essaie d'en laisser un en vie. Purée, j'ai deux tanks sur moi. Oh la merde, je suis dans la merde. Celle-ci. Merde. Je l'avais pas vu, elle. Le gros, viens pas vers moi. On a dit qu'il fallait que je te laisse en vie. Là, tu es où? Oh, je suis revenu au départ. J'ai semé un tank, donc il a dû retourner sur l'un d'entre vous. Ah non, en fait, ils sont tous les deux là. Aïe. Ah, ça y est, j'ai tué mon quota de Z-Sirène. Ça y est, j'ai tué le... Purée, il en reste plus que deux, il reste un gros au moins. Ils sont tous les deux. Normalement, oui. J'en ai tué un, il était trop sur moi, désolé. Non mais c'est bon, le dernier qui reste c'est un gros, donc on va chercher, voilà, on se balade, on cherche les... On peut essayer aussi de chercher les crânes. Non mais c'est ça, on cherche les crânes maintenant, on laisse le gros. Hein. Moi je trouve les leviers pour les pièges, mais je trouve pas. Ah là, j'en ai un, là. Hop, dans le petit trou. Alors, elle est où? Elle est par là-bas. Ah oui, c'est Alan à côté de moi. Oui. Ah, trop drôle! Ah oui. Des sacs de... Des cloches. Stylé. Ah, dommage. J'ai cru que ça en était un, mais non, c'était un vrai crâne. Ça marche pas. La boîte de nuit, là, je suis sûr qu'il y en a un. C'était le quatrième, il nous en manque 6. Ouh, dur. Bon, faut vraiment qu'on fouille. Hein. Bon, le Z, il est là. On va le laisser tranquille. Il est loin, donc tout va bien. En fait, la map est vachement jolie. Tu rigoles, mais tu sais là où on est là. Tu vois, t'as le DJ là-bas et juste à côté de lui, il y en a un. Non. Oh, trop stylé, j'avais pas vu le DJ. Merde. Il m'a vomi dessus, du coup, je vois mal. Ah ouais, trop stylé. On dirait Iron Man, tu sais. Faites attention à pas le tuer. Non. Ouais, je dis ça à Lanou qui vient d'essayer de... Ah, c'est bon, t'inquiète pas. Je dois repousser, quoi. Là, t'es passé à côté. Entre la table et le mur. Là, ici, là. Ouais, mais ils sont trop bien planqués, en vrai. Bah, moi, je les vois. Ça change. Je sais pas combien il en reste. Vous êtes allé où? Dehors? Je suis sorti, ouais. Ok. Non, voilà. Je vais pas tomber tout de suite. Je suis pas pris la même sortie que vous, apparemment. Si. Non. Non, c'est l'éthique qui est devant moi. Je sais pas où tu es, Tiseb. Je t'ai perdu. J'ai pris l'autre sortie. Y'a plein de crânes, mais c'est des vrais crânes. Ah ouais, c'est moi qui ai le vomito sur la tronche en plus. Porte de la mort. Moi je suis re-rentré pour info. Je sais pas, je viens d'avoir un succès, c'est écrit porte de la mort, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ah, j'ai ouvert une porte, c'est peut-être ça, je sais pas.
C'est une porte qui était fermée, donc... Je ne sais pas. Oh, trop bien, il y a des bruits quand tu marches dans le sang, ça fait flop, flop, flop. J'adore. Voilà. Oh, un caché dans les chiottes derrière, dans le décor. Bien. Ah merde. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai cru que c'était genre une grotte. Et en fait, non, c'était juste un trou. Donc faites attention, hein, y a des trous et c'est pas des grottes. C'est vraiment des trous. Moi, il y avait un trou, j'ai voulu sauter dedans et puis je me suis dit non, pas tout de suite. Et puis je pense que ça doit être un truc dans le même genre. Bah, du coup, j'ai perdu toutes mes armes, je suis deg. Ouais, mais t'inquiète pas parce que regarde, moi j'ai quasiment 3000 d'argent sur moi et on n'a pas encore le prix de la vague. Ouais. Active le piège. Non. Si je le tue. Oh. On va pas le faire. Non. Je check sur ta vue, hein, mais pour l'instant je vois rien. Tu sais que tu peux aller te balader en fantôme, toi, en plus. Ah bon? Comment? Changer de caméra. Changer de caméra, ouais. Hop. Ah ouais. Plus que deux. Bon alors. Ouais, au milieu, là, en dessous. Mes couilles. J'en ai un. Alors, où es-tu? Faut que tu re-rentres. Je sais pas où t'es. T'es pas loin de là, nous? Bah, en face du mob, en fait. À l'intérieur, il y a une cheminée. En face du mob. Si, Seb. Monte les escaliers. Rentre par la porte principale et juste au-dessus de la porte, au plafond. Ouais. Ah ouais. Bien joué. De rien, je continue à fouiller l'intérieur du coup. Ah c'est trop bien en fait là. Ouais. Qu'est-ce qui est trop bien? Bah de se promener comme ça là. Ouais c'est ça. Je kiffe. Je peux aller partout. Ah non, tu fais gaffe, tu peux pas aller partout parce que tu peux pas passer à travers les portes. Oui, mais façon de parler, quoi. On se comprend. Je sais pas où il est le gros, il est sur toi, là, non? Non. Alors, en temps normal, hein, on fait pas ce genre de choses de garder un mob pour le faire, hein, c'est ce qu'on avait fait sur tous les épisodes précédents. Mais tout simplement, comme c'est l'event d'Halloween, hein, même si vous aurez pas cette vidéo du tout tout de suite... Boom! En plus, ça m'a fait monter un niveau. Ah non, c'est juste que j'ai réussi l'objectif. Tu les as eu? Ne parle ouais, pas. Je viens d'avoir le dernier là. Parfait. Alors, attends. Juste pour rire, attends, je le ramène dans la grande salle. Attendez, j'arrive. Attendez. Là, nous, je viens dans la grande salle. Ah, c'est bon. Ouais. Je t'ai retrouvé. Vers moi. On va se faire un putain de barbecue. Je sais pas où il est passé là, t'es. Il a fait le tour par ailleurs, j'ai l'impression. Je crois qu'il a pété. Non, il a pas pété, je le vois encore. Il a fait un détour. Il est là. Coucou. Allez, viens, mon petit. En fait, il est trop énorme, on dirait un tas de slime avec des yeux ouais. et des déchets, quoi. Ouais, des déchets collés. Et regarde, il s'assomme tout seul, l'imbécile. Mais ouais, c'est ridicule. Franchement, ce mob, il a pas de crédibilité. Allez, il s'est encore assommé. Vas-y, allez, encore. Ah non, mais moi, je m'éclate, là. Vas-y, crache. Et encore. Il fait quoi, le Lanou? Il a fait tout le tour, quoi, du pays, quoi, sérieux. Regarde. Je fais cracher, il me suit et ça. Bon, n'importe monte quoi. Monte l'escalier sur le côté là. Ah bah attends. Ou attire-le vers la. En fait, vers la gueule. Et en haut de l'escalier, il y a un interrupteur. Il est sur toi là, nous. Ah non, il est sur moi. Vas-y. Tire. Je sais pas si ça a marché. Ah, il est à peine trop loin. Dégoûté. Bon bah pour la peine. Voilà. Merci. Je suis de retour. Le gars qui utilise les petits moyens pour tuer le dernier mob, tu vois. La grenade directe. C'est clair.
Alors, est-ce que pour ce... Ça va être le dernier épisode du moment. J'aime bien parce qu'on a dit ça à la dernière vidéo avec l'éthique, c'était le dernier épisode pour le moment, mais c'est encore le dernier épisode pour le moment. Oui. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la prochaine, c'est ça. Alors... La toute nouvelle arme, là, le nouveau gun du médecin, on peut pas l'améliorer. Par contre, l'autre que j'ai, je pourrais l'améliorer, mais... Quelqu'un a des sous ou n'importe quoi? Attends. En fait, je vais te donner parce que j'ai... Mais mets-toi pognon. Dans le truc. Pognon. Là, je pense que tu vas en avant pour ton argent. Parce que moi, il me restait encore 4000. Bah... Il me restait 1008 encore. Il me reste 2008. Bah, même plus. Attends. La nouille, on a laissé par terre. Voilà, je suis au max. 3162, il y reste. Alors, est-ce qu'on va tomber sur le nouveau boss? Ça serait bien. Ouais. Non mais en fait, c'est j'ai... Le DJ, en fait. C'est le même en fait. C'est le DJ. C'est juste que son skin est différent. Ouais. Il est devenu DJ à ses heures perdues. Ah, il est là. Ah, moi aussi je peux balancer des grenades. Ce n'est qu'une égratignure. Embrassez votre mort. Quoi, ces chauves-souris? Cela devrait-il m'impressionner? Est-ce de la douleur? Je me demande jusqu'où vous sont. Imbécile, ça, c'était le plus facile. Voyons ce qui vous attend, mes petits cochons. Comment on lui a lingé son bouclier? C'est grave. Ah, mais moi j'y suis allé à la grenade sans réfléchir. Hein. Ah, moi je suis à la grosse tronçonneuse alors. Arrêtez de courir, enfin. Ah ouais. Cela ne vous aidera pas. J'avais pas capté en fait. Juste pour la balle, j'ai acheté la tronçonneuse. Je reste au katana tout le long. Et où aux choses sérieuses. En voici encore plus. Tranquille. Et où? Cela va vous arrêter, sale vermine. Il faut que cela vous arrête. Il est mort. Ah non, je suis morte. Mais pourquoi je suis morte? J'ai pas compris. Parce qu'il a balancé toutes ses grenades. On est... J'avais balancé une grenade de soin, mais on était tous dans le poison, hein, en fait. Ah, c'était très risqué. C'était très risqué. Moi, je peux... On l'a eu. Bon, bah voilà. Bah, j'espère que ce nouvel épisode sur les trophées de King Floor 2 vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Twitter et Facebook. Les liens sont juste en dessous dans la description. Et où on se retrouve très bientôt. Pour voir un nouveau massacre de Z. Salut tout le monde. Ciao, bye bye. Hey, watch out.